Salut à tous, c'est Gaspra, comment ça va? Moi, écoutez, ça va super. On se retrouve donc pour aujourd'hui pour une vidéo détente sur MotorStorm Apocalypse, donc c'est la démo. Et aujourd'hui, donc je vais vous parler, on va faire un débat sur les graphismes, donc pas sur MotorStorm, bien sûr qu'ils sont assez bien faits, mais sur tous les autres jeux. Donc j'aimerais commencer là où j'ai fait le plus de vidéos, donc Call of Duty. Pour moi, le meilleur jeu qui a le meilleur graphique, le meilleur Call of Duty qui a les meilleurs graphiques, c'est en plus un ancien, un très très ancien Call of Duty, c'est World at War, donc WoW pour ceux qui connaissent comme ça. Donc oui, les graphismes sont meilleurs sur WoW. Pourquoi? Alors que maintenant ils ont la possibilité de faire comment dire, de faire mieux que les graphismes, de mieux faire les graphismes qu'avant. Donc regardez, donc là sur MotorStorm, donc je suis bien en live sur MotorStorm, donc là les graphismes sont assez bien faits, mais je trouve que sur depuis World at War, les graphismes sont horribles, pas en qualité d'image, parce que qualité d'image c'est différent. Par exemple, le nouveau Call of Duty Ghost, il y aura une meilleure qualité d'image, mais le graphisme, c'est-à-dire moi, le meilleur jeu que je trouve le graphisme, c'est Battlefield. Donc je viens de me mettre à Battlefield et je pense que Call of Duty, là je vais arrêter un moment et je vais plus jouer à Battlefield. Donc je ferai bien sûr une vidéo dessus, mais pour ceux qui ont déjà joué à Battlefield, savent que c'est très très dur le début, surtout quand on vient de Call of Duty, c'est pas du tout le pour tenir l'arme et tout. Après c'est très, très compliqué pour jouer. Donc j'attends de débloquer pas mal d'armes et après je ferai une vidéo dessus. Ce qui aussi on a perdu sur les Call of Duty, c'est l'envie de jouer. Moi personnellement, depuis Black Ops, oui, donc depuis Black Ops, je joue à Call of Duty. Et là, ça m'ennuie, très sincèrement. Quand je dis ça m'ennuie, je prends plus de plaisir à jouer. Tandis qu'à Battlefield, même que je viens de l'acheter il y a pas longtemps, les graphismes sont hyper bien faits. Vous lancez un roquette sur le mur, souvent le mur il s'effondre. Donc déjà c'est un plus par rapport à Call of Duty. Et donc je pense qu'on va jamais s'ennuyer sur Battlefield. Là il va bientôt sortir le 4. Je vais principalement acheter au début Battlefield 4 et après Call of Duty Ghost. Et je vais acheter aussi GTA 5. Et quoi dire de plus? Là, je suis en live, donc je cherche un peu. C'est un peu à l'arrache que je fais. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je suis tellement concentré. Je vais pas être premier. Normalement, je suis premier, mais là. Quoi dire de plus? Ah oui, aussi sur Black Ops 2, ce qui est vraiment nul là qu'ils ont fait, c'est que même en faut passer les prestiges pour avoir toutes les armes. Désolé, mais je paye pas 70 € un jeu pour même pas avoir toutes les armes dès le début, hein, à la fin, hein. Là exprès nous font passer exprès nous veulent nous faire passer les prestiges. Donc moi là en ce moment Call of Duty, là j'en ai marre, plus que marre même. Après, donc toujours en parlant de Battlefield, les armes sont mieux faites. Il y a de meilleurs atouts, c'est vrai, c'est beaucoup plus réel en fait. C'est la réalité en fait, Battlefield. Le défibrillateur, pour ceux qui connaissent, c'est la réalité quoi. Ah oui, aussi, oui, moi comme plusieurs youtubeurs et même moi avant je disais ça. On se lasse d'un Call of Duty au bout d'un an, c'est pour ça que toutes les années ils ont un autre Call of Duty. Mais je préfère qu'ils fassent un Call of Duty tous les 3 ans, comme Battlefield, qu'ils ont fait un Battlefield tous les 3 ans, 3-4 ans, ou comme le GTA, mais super bien fait, que un Call of Duty à l'arrache tous les ans, qu'au bout de 3 mois, au bout de 3 mois, il nous plaît plus déjà. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Donc on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Je vous laisse la fin de la démo de MotorStorm Apocalypse pour ceux qui voudraient l'acheter. Si vous comptez l'acheter, en tout cas,
La démo est bien, moi j'avais un autre Motor Storm. Et donc on se quitte là-dessus et on se retrouvera donc pour une prochaine vidéo. Et voilà. Allez, portez-vous bien, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Aimez la vidéo si vous avez aimé ce petit débat. Et on se retrouvera donc pour une prochaine vidéo. C'était Gaspra, bye tout le monde.